Quel est notre plan ? Notre plan ? Tu n'es plus un apprenti, petit. C'est à toi d'étudier ton environnement et d'échafauder ton plan. Compte pas sur moi pour t'aider. Aucune cible n'est hors d'atteinte. Vous, décampez ! Allez ! Mais où diable es-tu chez nous ? Si tu ne trouves pas de point faible, crée-en un. Vous avez fouillé la cathédrale ? Oui, monsieur. Bien. Dites à Siver que je le verrai à l'intérieur. Partout il y a des possibilités. À toi de les trouver. Vous ! Rendez-moi vite mes clés ! Voleur ! Et si tout ce que tu tentes échoue ? Pourquoi ne pas te sacrifier pour la cause, ta vie pour la sienne, avant Altaïr ? C'était la voix des assassins du Levant. Tu voudrais que je l'assassine en plein jour et que je me laisse tuer sur place ? Le message n'en est que plus fort. Je ferai à ma manière. C'est à toi de choisir, assassin. Frater in Cristo. Amen. Allez. Porte mon chemin. Introibo ad altare dei. Écartez-vous. Identificat juventutem mea. Judica me Zeus et discerne cosa mea. Fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis incedo. Si cherchez, il n'est pas là. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deducerunt, et aducerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Altare Dei, ad Deum identificat juventutem mea, judica me Deus, et discerne cosa meam de gente non sancta.
Lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem tuam. Et in tabernacula tua, adjutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Instruibo ad altare Dei, ad Deum. Qui ne nous arrêterait pas? Arrêtez-le! Qu'est-ce que c'était? Vermine de modérer! Tu es trop lent! Arrête-toi et bats-toi comme un homme! Thank you.
te veran fingiam, in qua unum datum verum batisma, e verum omnium remisio peccatorum. Allez! Y a quelqu'un? C'est étrange, il était juste devant moi. Credis etiam novi, et veteris testamenti, legis et prophetarum, et apostolorum, unum esse auctorem Deum, ad dominum omnipotentem. Attendez ici. Veillez à ce qu'on ne soit pas dérangé. Super. Monsieur Latouche, je viens voir le roi des mendiants. Suivez-moi. Les intrigues des rats! L'idiot prétentieux, si jamais je mets la main sur lui! Eh bien, qu'y a-t-il de si important pour m'éloigner de ma vie en ce jour? Ça va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Sivert, il faut partir! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais qu'est-ce que... Pas oh, moment, citoyen! Crois pouvoir me perdre? Ha! Trop lent! Il fait une belle scène! Abattez-le! Croire que tu as une patte folle! Aujourd'hui! Et je vais t'avoir! Qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis là, Bishop. C'est un balayage de serveurs. Abstergo nous traque. Et ils sont tout proches. Merde. Tu peux ouvrir une passerelle entre serveurs? Eh, tu me connais, je suis déjà dessus. J'en ai pour deux secondes. Initié, on va ouvrir une passerelle entre serveurs. Trouve le portail avant que le balayage ne te localise. Je l'ai, c'est bon. Tu vois, difficile de le rater, non? Changer de serveur unique devrait pouvoir te donner quelques heures de répit. Et sinon, on est foutu. Enfin, pas nous. C'est ton initié qui va en prendre plein la gueule. Deacon, tu n'aides pas là.
Le signal tient. Parfait. Tu es désormais hors de la simulation principale. Ça va semer les agents d'Abstergo pendant un moment, mais je t'avertis, tu vas aussi tomber sur du code incomplet et endommagé. Ça explique... Et pourquoi les gens que tu croiseras ne sont... pas vraiment là. On dirait le Paris de la fin du 19e. Voilà un Paris que j'aimerais bien visiter. Ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, tu dois rejoindre le portail de sortie. Mais je ne vois aucun chemin. Ce secteur devient instable. Fais demi-tour. Tu dois descendre sous la surface. Dépêche-toi!
voilà. Formidable. Tu as trouvé la sortie. C'est un vortex d'énergie instable. Impossible de savoir quel effet il aura sur la simulation. Tu vas devoir escalader la Statue de la Liberté. Elle doit provenir d'une autre période. Les Français devraient déjà l'avoir envoyée au Pan. Je vais faire ce que je peux pour l'empêcher de se refermer. On se retrouve de l'autre côté. On est de retour. Tout le monde n'a pas ta chance pour leur premier passage entre serveurs. Parfois, nos initiés restent coincés dans le système, et on est obligé d'envoyer quelqu'un comme toi pour les sauver. D'ailleurs, l'un de nos initiés vient de se faire piéger dans un serveur de la Belle Époque. S'il te reste des forces, tu peux retourner là-bas pour le ramener. Très bien, c'est reparti, initié. Mon ami, comment vas-tu?
Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue. Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris ? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants ? En es-tu sûr ? Vous le connaissez ? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à ses trousses. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça ? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets et apporte-lui la paix. Bonjour, Arnaud. Thank you.
J'ai une mission pour toi. Thank you.
lâcher le camp. Tout de suite. Plutôt jeter mon argent dans le fleuve. Mort au Madère. Je ne te le redemanderai pas. Dis-le-moi. Ça suffit maintenant. Thank you.
mieux ailleurs. Une minute. Avec vous. Pourtant, bien entendu. Tu es à moi. Moi, je préférerais mourir en me battant. Ah, si tu as la vie, ne reviens jamais ici. Tiens, ma baïonnette!